Oh,
Ok, donc nous on s'appelle Urban Spells, ça fait le projet a démarré il y a à peu près un an en fait. Je jouais dans un autre band avec lui avant, puis le projet s'est arrêté, donc on a continué de jouer tous les deux pendant un petit moment, peut-être 3-4 mois. Il y a peut-être un peu plus d'un an, on a commencé à écrire les premiers morceaux. Puis après, au fur et à mesure, au mois de mars-avril l'année passée, il y a Mathieu qui nous a rejoint à la bass, qu'on connaissait de Different Days, et puis petit à petit, on a essayé de vouloir apporter quelque chose de plus, là, un petit bonus, là, quelque chose de plus juste, là, une petite. Un petit peu plus féminin. Une petite touche féminine qui fait du bien. Donc Alice nous a rejoint en juillet l'année passée, donc c'est relativement récent en fait. On va dire que ça a un peu moins d'un an tout ça. Je pense qu'on a pas mal. Nos principales influences qu'on a pas mal en commun, c'est pas mal tout le rock des années 90 là. Moi, ça a pas mal commencé avec Nirvana, les Smashing Pumpkins. Après, plus tard, il y a eu des films un peu plus lourds, les Deftones, Queen of the Stone Age, des choses comme ça. Enfin, pour moi, c'est pas mal ça. Là, je pense que Lee a des influences un peu plus Moi, c'est les Spice diverses. Girls, Madonna, puis tout. Voilà. Non. Backstreet Boys. C'est pas mal la c'est même chose qu'Alex. C'est notre touche un peu pop. C'est correct. Moi aussi, le pop, un peu de punk aussi, mais pas mal la même chose qu'Alex. Thank you.
toi le boss. Ça fait à peu près un an qu'on a commencé à écrire les premières chansons. Moi, j'avais quelques idées. On jouait dans un autre band aussi qui était un peu plus énervé, là. Puis j'avais envie de faire des choses un petit peu plus posées, là. Ça paraît pas forcément, mais pour moi, c'est plus posé. Donc, on a commencé à écrire 2-3 chansons, là, 2-3 morceaux. Puis c'est toujours y a une idée qui vient à un moment donné, là. C'est pas vraiment provoqué comme processus d'écriture. C'est un coup, il y a une petite idée qui va jaillir, là. Puis commencer à jouer à la guitare, puis le présenter aux autres. Déjà, faut que ça plaise à tout le monde. Puis après, l'essentiel, c'est que chacun mettre un petit peu son grain de sel, là, puis que la sauce prenne, puis que ça fasse un beau mélange, puis qu'après, on ait une chanson complète qui arrive. Mais il n'y a rien vraiment de provoqué, il n'y a pas vraiment de processus précis, c'est vraiment... Ça arrive comme ça. On remarque quand même une grosse différence entre les chansons qui ont été écrites avant qu'Alice se joigne. Il a fallu graffer ses paroles, graffer sa voix. C'est vrai. Et puis les chansons qui ont été écrites par la suite, qui ont été écrites pour deux voix. Moi je les entends tout de suite, ces chansons-là. Je trouve que C'est vrai. C'est mieux comme ça. C'est vrai. Ça, c'est pour au moins un bon chanteur dans un groupe. Ouais, je vous laisse décider. Non, mais ça s'est fait assez vite en fait. C'est vrai, quand Alice est arrivée, au mois de juillet, on a enregistré peut-être 3 semaines après, c'était déjà prévu là. Puis son apport a été assez rapide là. Ça a assez vite pris là, l'addition de tout ça, de changer les lignes de chant, puis de faire des choses, un petit peu tous les deux harmoniser. C'était nouveau pour moi aussi de faire ça. Ouais, mais je t'ai dit que quand on est inspiré par des chansons, quand on aime beaucoup ça, c'est naturel. Ça, tu sais, les vocaux, ça sort. T'as pas besoin de penser. C'est comme ça que j'ai senti en fait quand je me suis joint à Urban Spell, c'était un peu ça. C'était naturel. En fait, c'est vrai que à la base, on a quand même écrit plus de la majorité des chansons avant qu'Alice arrive, donc j'avais essayé d'écrire les paroles avant. Puis c'est sûr qu'après on se concerte, puis on modifie, puis on écrit un peu plus ça ensemble. Elle écrit ses parties, puis on voit si ça colle bien avec le thème du reste de la chanson qu'on avait fait, puis si tout est bien coordonné. Puis,
Des fois, ouais, ça devient, on se parle pas, on écrit chacun, quand on met les deux ensemble, c'est tellement violent, là. Je me dis, non, il faut vraiment refaire les paroles. Ça, c'est arrivé, hein. À un moment donné, ouais, c'était horrible quand on a mis les deux morceaux ensemble. Ouais, c'était un peu trop glauque, tout ça. C'est un truc qui faisait ouf. Mais là, à la fin, on ralentit, on dit non, on va changer ça un peu, et puis ça marche à la fin.